Les repas des cantines scolaires, un sujet de préoccupation pour les parents à Saint-Rémy-de-Provence. Les quatre cantines de la ville viennent d'obtenir le niveau 2 de la certification Écocer. 40% des produits consommés sont bio et tout est cuisiné avec des produits frais. Philippe Fabreg et Meilleur Mohamed ont fait un petit tour à l'école ce vendredi. Une farine de T80 semi-complète, donc avec un levain naturel et une fermentation longue. Ici, à la cantine de l'école de l'Argelier à Saint-Rémy-de-Provence, même le pain est bio. Un pain fabriqué dans une boulangerie locale et livré chaque jour. Depuis 10 ans, les 4 groupes scolaires de la ville possèdent leur propre cuisine et tout est fabriqué sur place. Ce jus, il vient directement d'un poulet. La cuisson du poulet, ce n'est pas un fond de veau, ce n'est pas un fond brun, c'est un vrai jus. Fait avec des aromates, que ce soit les carottes, oignons et de l'ail, du céleri, que j'ai déglacé aujourd'hui. Et ça va me permettre d'arroser mon poulet tout à l'heure pour les servir les enfants. Aujourd'hui, 40% des produits consommés ici sont bio. Tout est acheté localement et fait maison. Des critères qui ont permis à la ville de Saint-Rémy-de-Provence d'obtenir le niveau 2 de la certification Écocert. Le label ne veut pas dire que le bio, il veut dire aussi lutte anti-gaspi, il veut dire aussi compostage, il veut dire, en fin de compte, l'écologie pure, quoi, tout simplement. Quoi. Le label Écocert, c'est aussi la reconnaissance d'une consommation plus intelligente. Vos colis, là, c'est ça? Oui. Et l'aubergine? Oui. C'est bon? Et voilà, vous avez vu comment était la graine et comment elle évolue? Et les enfants apprécient, même si la cantine reste avant tout un lieu de partage entre copines. J'adore parce que en fait, tu peux plus jouer avec tes copines dans la récré. J'aime goûter de nouvelles choses, passer du temps avec mes copines à la récré. Moi j'aime bien manger à la cantine. Coût total de ce repas labellisé, 10 euros. Mais les familles ne payent qu'entre 2,10 euros et 3,65 euros. La différence est prise en charge par la ville.